Voilà, on va se faire ça. Bon, on va se mettre bien. Voilà. Parce que ça en fait quand même. Hein. Alors, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les gars, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous kiffez sur la chaîne. Une vidéo de dégustation avec My American Shop. My American Shop a eu la gentillesse de m'envoyer tous les Pringles qui peuvent exister au monde. Ça, c'est trop cool. J'ai plein de saveurs à goûter. On va les déguster ensemble dans cette vidéo. Et ça, ça va être trop fun. Et attention, pour vous remercier aussi de votre fidélité sur les dégustations, sur les 24 heures, etc., etc., ils vous ont fait... les globules, je sais pas si on voit bien, bon, moi c'est pas grave. 30% les globules sur toute votre commande. Attention, ces 30% s'appliquent peut-être pas sur certains produits, mais il y a moyen de faire des grosses économies parce que 30% c'est quand même pas rien. Je vous invite à aller voir leur site internet, à mettre le code de réduction globule30 qui vous permettra de bénéficier de ces 30% de réduction sur leur site internet. Les globules, c'est très important, et encore plus aujourd'hui, il est très important de faire des économies. Donc, les globules, nous allons commencer par quoi? On commence par où? Je sais pas, on va déjà s'ouvrir la petite canette de coca que je me suis prévue pour pouvoir déguster ces chips, parce qu'au bout d'un moment, je pense que je vais avoir le gosier sec. À la vôtre, les globules. Ah, c'est bien pour ça, pas de bordel. Je vous propose de commencer par ces Pringles goût smoky bacon. Des chips au bacon, quoi, hein. Oh ouais, ça va être très fun, ça va être cool. D'ailleurs, pour le vrai... Allez. Bon, ça va, les chips, elles sont en bon état, hein, quand même. Regardez les globules, hein. Elles ont fait de la route, hein, dans un colis, hein. Elles ont fait de la route, hein. Donc voilà, les globules, vous me connaissez. Vous connaissez les dégustations, les chips, etc., etc. Quand vous êtes à l'apéro, hein, c'est une chips. Non. Généralement, les chips, je les prends par 2, par 3, par 4. Tant que je peux en mettre dans la bouche, il n'y a pas de souci. Mmh. On sent bien le bacon, les globules, hein. D'habitude, il y a des chips où... le goût ressort pas trop, mais là on le sent bien quand même. Ouais, mais quand même bien. Hein. Non, c'est bon. Allez, on va s'en remettre un petit peu là. Là franchement, le bacon, c'est trop bon. 1, 2, 3, 4. Oh, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais. Bon. Je vais mettre les chips que je valide d'un côté et les chips que je valide pas de l'autre. Attention les globules, c'est pas parce que je valide pas que vous n'aimerez pas. Tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Bien sûr, je valide, je les mets à gauche. Ensuite, par quoi on se laisse tenter? Fusion chutney. Donc là on va goûter celle-ci les globules. Fusion chutney. Donc c'est du chutney, voilà. Bon, on va goûter, hein. De toute façon on est là pour ça, on est là pour faire une dégustation. On déguste des chips. Voilà. Qu'est-ce que ça sent? Ah, elles sont plus petites! Oh, c'est quoi ce délire? Là, elles sont beaucoup plus petites! Est-ce que ça sera plus fin en bouche? Ah, c'est bon! On met pas ça avec du foie gras d'habitude. Ah, c'est bon cette connerie là. Il me semble qu'on met ça avec du foie gras d'habitude. Putain, et c'est bon, et. Putain, on sent bien le goût! Oh, c'est ouf! Moi, ça sent un peu plus morflé les chips là. J'adore! La vache! Putain, je vais me retaper. Ça va bouger. Attends. C'est super bon! Ah, c'est méga bon! Le goût des globules, il est ouf! Il est ouf! D'habitude, il y a des chips qui sont fades, vous savez. Non, non, là, ça vous prend bien toute la bouche. Trop, trop bon! Pringles, chutney les globules. Franchement, allez-y, foncez, c'est une valeur sûre. On valide! À gauche! On va se boire un petit coup de coca. Ah, ça va bien. Je m'enlève les chips qui peuvent coller aux dents. Qu'est-ce qu'on goûte? On va goûter celle-ci, les globules. Brown cocktail. Apparemment, il y a des crevettes dedans. Enfin, il y a un truc avec des crevettes dessus, là. On va goûter. Sans déconner. J'en ai rouvert des paquets de chips aujourd'hui. Eh bien. Ça sent pas bon. Ça sent vinaigre. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est chaud, là, quand même.
On va en prendre que 3 parce que c'est jamais. Il y a le goût. Le goût de quoi, je sais pas. C'est sûr que c'est des crevettes, ça. Mon Dieu. Ouais, on dirait du vinaigre. Quand vous posez la chips sur la langue, on dirait qu'il y a toute l'acidité du vinaigre qui ressort. Ouais, du vinaigre. Ça, c'est pas les crevettes. C'est quoi ce délire, là? Ouais, bon. Je pensais vraiment retrouver le goût de la crevette, mais là, c'est un peu sans plus. C'est vraiment bizarre. Bon, on va s'est taper, hein, parce que... Quand même, faut pas gâcher. Ça va quand même, la vache. Le pire, c'est que le vinaigre, il reste vraiment sur tout le pourtour des lèvres. Mais non, alors celui-là à droite, celui-là, je valide pas. Non, les globules. Alors, par contre, quand je fais des vidéos de dégustation, vous inquiétez pas, hein, je suis franc jeu avec vous. Hein. S'il y a un truc que j'aime pas, je le dis. S'il y a un truc que je kiffe, je le dis aussi. Peut-être plus enjoué quand même, mais je le dis. Ah la vache, t'as dit donc, Coca, il est fort, oh. Bon Dieu! Bon, pour la suite, on va tester le Texas Barbecue Sauce qui font directement apporter du Texas. Les cow-boys, les vaches, les chevaux, etc. etc. Yeah! Ils sont tous sauf le barbecue, là. Il est où le barbecue, là? On dirait qu'il y en a moins en plus là-dedans, là. Bon, c'est pas grave, il y a des chips quand même. Alors, on goûte. Je sais pas si c'est le vinaigre des autres chips qui m'a anesthésié le palais, mais j'ai mis un petit temps pour le barbecue quand même. Hein. Ouais, bon, franchement. Avec un goût un tout petit peu plus poussé, franchement, ça serait top. Parce que la sauce barbecue, franchement, c'est vraiment une sauce que je kiffe, les globules. Hein. Parmi les sauces que je kiffe, l'harissa, c'est obligatoire. C'est un passage obligé, l'harissa. Je pourrais en bouffer des paquets par milliers. Par contre, après, c'est les chiottes qui vont pas m'en remercier. Vivement l'été, le globule, qu'on puisse ressortir les pique-niques, etc., etc. Non, comment? Je valide, le globule, je valide. À couche. Non, l'été, les pique-niques, les globules, les salades de riz, les merguez. Je suis pas fan des chipolatas. Là, faudrait que je fasse un vlog sur un pique-nique avec ma chérie. Ouais, je lui demande si elle est d'accord. Ça pourrait être sympa. Alors, les globules, dans cette boîte de Pringles orange, c'est des Pringles Masala Tadikta... Mon Dieu. Desi Masala Tadka Flavour. Flavour, arôme, etc, etc. Oh, ça, vous aviez déjà compris. Hein. Bon, alors, je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas du tout quel goût ça va avoir. Ça m'a l'air doux. Par contre, les chips, elles ont fait la guerre dedans. Vache. Putain, elles sont toutes mises les unes contre les autres. Ah, je vais me casser la tour. Ah, parce que, voyons, là qui est pas survécu, hein, vache. Ça pique un peu. Ouais. Oui. Ouais, ça va. C'est pas comme de l'harissa, mais... Ah, je m'y attendais pas. Ouais. C'est une sauce qui pique un peu, apparemment, hein. Ouais, on est bien. Oh, on est bien, bien, bien. Bon, alors, j'essaye de vous faire le challenge de la chips la plus piquante du monde, là. Ça pourrait être super sympa à faire. Ouais. Dans quel état je vais me retrouver, je sais pas par contre. Hein. Ouais. Là c'est con parce que je peux pas les prendre par 12. Il y a tellement qu'ils sont effrités dedans. Dommage. Ouais. Ah, moi je vais directement comme ça sur la table. C'est péchu hein, quand même. Hein. On sent que c'est fort. Non, c'est cool. Il y a le goût pimenté qui revient sur la langue là. Ah ouais, il y a un arrière-goût. Ah, il est sympa. Putain, ça avec un bon rhum là. Un bon whisky. Maman. Je sens que je commence à avoir le crâne qui chauffe. Je sais pas comment j'ai bouffé ça, moi. Les petites miettes, là. J'en ai foutu partout sur la table. Je commence à avoir les mains un peu grasses, par contre. Je vais me chercher un sopalin, le globule. J'arrive. Voilà. Ah, voilà, tout calme là. Ah, c'est plus calme. On va faire place nette. Celle-ci, faudra que j'essaie de les faire goûter à ma chérie. Elle commence à se mettre petit à petit à l'épicer. Franchement, c'est cool. Ça peut être fun. Enfin, pour moi, je sais pas. Donc, bien entendu, celui-ci, je valide à couche. Donc là, on va goûter les chips Minecraft. Chips que tout gamer se doit d'avoir en son bol quand il joue. Donc, n'hésitez pas à les globules. Hein. Code de réduction globule30 sur le site My American Shop. 30% c'est pas rien. C'est quoi ça?
On dirait qu'il y a un peu de crème dedans. Alors, contre toute attente, c'est doux hein, quand même. C'est très doux. Ouais. Là, je m'attendais à un truc un petit peu mieux quand même. Ouais, merde. Ouais, il y a une sorte de crème aux oignons à l'intérieur, j'ai l'impression. Je suis pas fan. Là, je vais pas abuser sur le truc parce que j'ai l'impression que... Ouais, je suis moins enjoué parce que franchement, je pensais que pour les chips Minecraft, c'est un peu meilleur quand même. Après, c'est adapté aux enfants aussi, hein. Il y a de la crème dedans, c'est un peu aux oignons. Ouais, c'est cool, c'est fun, c'est marrant. C'est à goûter, c'est à découvrir. Pour ma part, c'est bof. Celui-là, non. Je vaille pas, en plus vous avez très bien vu, j'en ai pas mangé des tonnes. Bon, chips Minecraft, pas terrible. Hein. Pas dégueulasse non plus, enfin bon. À comparer de tout ça que j'ai déjà bouffé, c'était pas même pâté, je vous le dis, moi. Nous allons continuer les globules avec South African style péri-péri flavour. C'est de la sauce péri-péri de l'Amérique du Sud. Généralement, eux, ils rigolent pas quand ça c'est épicé. Hein. On va rigoler. Mais alors, ah bah quand même. Alors, là-dedans. Voilà. Il y a une odeur en suspens qui te laisse présager que tu vas pas passer un bon quart d'heure. Elles sont toutes petites par contre, celles-ci. Quand vous avez des petits paquets, c'est des petits chips, comme moi. Alors, on va goûter. On est des fous, on est des dingues. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on ne compte plus. Hein. Bah et non, moi qui vous ai vendu du rêve en disant oui, les Sud-Américains ils rigolent pas avec ta sauce. Ouais, je cherche encore. Hein. Ouais, elles sont bonnes, mais attendez à autre chose. Elles sont bonnes. Après, je dois avoir la bouche tellement anesthésiée à cause des oranges là. Le masala flavour. Pas non plus un truc de dingue, mais ça va. Non, c'est cool. Pour ceux qui commencent juste à manger épicé, si jamais vous voulez goûter, je pense que c'est par là qu'il faut aller. Bon, on valide à gauche. Bon, le but ultime, les globules. Flame medium et flame extra hot. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense que je vais aller péter la faïence. Ça va être un truc de malade. Je vous propose de commencer par le medium. Là, ça a l'air léger. Hein. Il y a de la crème dedans. Ouais. Si, la crème est bonne par contre. Ah. Ah oui. Là. Oui, on le sent là. C'est très léger. C'est très léger les globules. On le sent. Ouais, si. Après les globules, pas de quoi s'enflammer, hein, c'est que un piment. Hein. Alors, pour celui-là, pareil, ça va, franchement, c'est bon. Vraiment pareil, si vous voulez commencer à manger des chips épicés, c'est là aussi qu'il faut aller. Hein. On valide à gauche. Du coup, avant les dernières. Ah, c'est du bien par où ça passe, bordel. Flame, extra hot, cheese et chili flavour. Flavour. Bon, on goûte. Trois piments. Ça va donner. Oh vache. On sent le fromage. Ça sent le fromage, les globules. Hein. On va en prendre deux. Ouais, mon gars. Oh, oh, oh. Oh putain, la vache. Oh, ah ouais. Ah, j'ai goûté. Ouh. Oh la vache. Putain, c'est que ça va me faire saliver cette connerie là! Putain, oh, elles sont bonnes! Mmh. Oh, elles sont hyper traîtres! Oh, j'ai la langue! Alors, je sais pas de la riche non plus, mais. Il y a une crâne qui sur la taille, c'est bon. Ah, ça y est plus, ouais, ça y est plus fort que j'ai bouffé. On va un coup quand même. Vache! Si, elles sont bonnes! Par contre, faut faire gaffe les globules, c'est hyper traître! Parce que vous mangez ça, en fait, c'est au fromage aussi! Ça va bien se passer les globules. Donc je disais c'est hyper traître parce que vous avez le goût du fromage en premier. Et derrière vous avez tout le goût de la chips qui arrive. Et tout le piment qui fait le pourtour de la langue là. Vous voyez pas le dessus, pas le dessous. Mais tout le pourtour, de votre langue. Et ça vous arrache pas non plus. Mais vous, ça va bien hein. C'est ma stock quand même hein. Ah vache. Ah ouais, ah non je valide. Ah ouais celui-là j'attends même pas de le refermer. Je valide sans problème. Ah ouais. Celle-là, si vous aimez pimenter, allez-y les yeux fermés, je vous le dis, les globules, je vous le recommande sans problème. Ah ouais. Ah la vache. Waouh, wow, je suis super surpris là. Ah, du feu de Dieu celle-ci. Oh putain. Je valide à gauche. Oh putain. Ouh. Bien les globules. Alors, on va se poser tranquillement, juste à un petit état des lieux de ce que je n'ai pas aimé. Il y a juste ces deux paquets de chips que je n'ai pas forcément kiffé. L'un parce que j'avais vraiment l'impression que c'était du vinaigre, il y avait du vinaigre. Et en fait, la chips est bonne. Mais le vinaigre vous fait tout le pourtour de la bouche. Et on a plutôt l'impression de manger vinaigre échalote, je sais pas, plutôt que de la crevette qui était marquée sur le paquet. Ensuite, les chips Minecraft.
Franchement, c'est de la crème. Ça se laisse manger, quoi. Au-delà de tous les goûts que j'ai pu goûter juste avant, c'est celle qui s'est le moins démarquée. Celle-ci, parce qu'elle a été très forte au niveau du vinaigre, ça, il n'y a pas de problème. Mais celle-ci, je trouve qu'elle était assez fade. Bon, il en faut pour tous les goûts, encore une fois, les globules. C'est très important de le souligner. Donc, si vous avez des enfants qui écrivent Minecraft, que voilà, vous voulez leur faire un petit plaisir. Parce que généralement, quand on est gamer, voilà, moi je déchiffre Minecraft, on joue à Minecraft, c'est top, c'est cool. On a tous été gamins, on a tous voulu faire ça un jour de toute façon. Voilà. Mais sinon, les globules, voici donc toutes celles qui ont été retenues. Et il y en a beaucoup quand même. Donc c'est quand même pas mal. Sur les 9 que j'ai reçues, il y en a 7 que je valide. Je valide 7 chips, dont celle-ci. Mais franchement, celle-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Elles vont vous arracher la tronche. Alors, je dis pas non plus un truc de fou à devoir boire du lait, manger du pain, etc. etc. Mais celle-ci, à l'apéro, là, vous faites un petit whisky avec. Aïe, 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 aïe. Ça va vous déchirer, ça va être un truc de malade. C'est trop trop bien. En tout cas, encore une fois, les globules, vous avez un code promo Globule30 qui vous donne le droit à 30% d'économie sur le site My American Shop. N'hésitez pas, tout sera dans la description. C'est ma façon de vous remercier, de vous proposer de faire des belles économies. Donc n'hésitez pas, c'est pas valable que sur les chips, c'est valable sur tout plein de produits sur myamericanshop.com. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, à serrer le code Globule30 pour bénéficier de ces 30% de réduction. C'est toujours des bonnes économies à faire. Merci à tous les globules d'avoir regardé cette vidéo de dégustation jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est ici qu'il faut cliquer, c'est ici que ça se passe. Comme ça vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Vlog, dégustation, 24h, unboxing, etc, etc. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, que vous voulez redécouvrir parce que vous êtes en mode chill chez vous en week-end ou en vacances, n'hésitez pas à cliquer là et là, vous pourrez redécouvrir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !